Et salut à tous les amis, nous sommes le jeudi 30 septembre 2021, il est 23h28. Je viens de trouver un nouveau shiny. Alors c'est un indésirable, mais je le prends volontiers puisqu'il s'agit de Meditica Shiny, et même si j'en ai déjà un, il n'a pas évolué, donc c'est parfait. Je vais pouvoir avoir également Charmina Chromatique dans ma collection. Donc c'est formidable. Le chiffre c'est 5505. Rencontre. Donc c'est sur ma recherche de cas d'oiseaux. Voilà, j'étais toujours sur Quillfish, sur ma version Heart Gold. Le Meditica est là sur ma version diamant. On va mettre un petit peu de son. C'est le 25e de la soirée. Je venais à peine de commencer. Ça faisait 10 minutes que je chassais. J'ai commencé la série Squid Game d'ailleurs. J'étais à l'épisode 1 et le Meditica il est tombé, c'est incroyable. Là sur la Soul Silver, je suis toujours sur la route 43 à la recherche du Girafarig. Là ma Switch qui est déjà en veille est sur comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver, sur Nigosier. Et là on est toujours sur Poussifeu qui est en phase 2. À plus de 3700 resets, donc voilà, j'espère que ça va briller aussi incessamment sous peu. Donc c'est parti, on va essayer de se concentrer un petit peu parce que Meditica sur cette route, il a une attaque chiante. Il a pied voltige, donc là j'ai mon Lumina-Tireur en tête d'équipe. Je vais tout de suite switcher sur le Parasect que vous voyez là, qui va me permettre de faire sport, en espérant avoir le temps, bien sûr, que tout se passe bien. C'est parti, on attaque la capture. Espérons qu'il évite de faire pied voltige, ce serait cool. Ok, il s'est pas loupé, mais il y a la grêle, donc il va falloir aller rapidement. Ça craint. Ça craint. Sport. Non, mais s'il te plaît, arrête, arrête. Mais non. Je peux pas l'endormir. Oh bordel, quelle poisse. Bon, on va prier, on va envoyer la meilleure balle de notre vie. C'est-à-dire... C'est-à-dire on va envoyer l'hyper ball direct. Yes! Il est rentré. Oh, c'était chaud. J'ai franchement hésité à envoyer la Master Ball, mais voilà. Parce que si se loupe sur pied voltige, il faut savoir qu'il perd la moitié de sa vie. Oh, c'est cool, il est rentré. Là, je peux respirer un petit peu plus. C'est bien sombre d'un seul coup. Voilà, l'heure de capture, c'est 23h32. On va lui donner un petit surnom, oui. C'est. Alors comme c'est un indésirable, j'avais pas vraiment prévu de surnom, donc dans ce cas-là, je regarde mon petit fichier pseudo que je note de temps en temps des trucs sympas. Et voilà, il y a une planète de Star Wars qui se nomme Yaku ou Jakku, je sais pas comment on dit. Je trouve que ça lui va bien. Ça fait un peu indien et Meditica et enfin Charmina, un style un peu hindou, donc je trouve que ça lui va très très bien. Le truc chiant c'est que je vais devoir retourner sur cette route là. Voilà, je m'étais mis le matin, voilà, je sais plus combien de pourcentage je suis, mais je crois que ce Meditica du coup il est à 20%. J'ai le troupeau de cas d'oiseaux. On va tout de suite faire une petite rencontre avant de partir. Ouais, j'aurais pu tomber sur le Diprozone que je n'ai toujours pas. J'ai toujours pas de Machoke, de Machoper et de Macogneur. C'est ouf.
Peut-être que ça sera le suivant, hein, je sais pas. Hein. Match Chopper qui est compliqué à choper aussi, c'est le cas de le dire, puisqu'il a des attaques dangereuses. Il y a aussi Gravalanche qui est dangereux dans cette zone, puisqu'il a explosion. Mais... J'aimerais bien qu'on tombe sur un petit cas d'oiseau, ce serait cool. Bah voilà. Voilà, le petit cas d'oiseau qui est un troupeau là sur cette route. Donc ça fait trois phases de cas d'oiseau. Alors pas sur la même version ni sur la même route, mais j'ai tenté déjà le cas d'oiseau à 50-50 sur la version blanc 2. Il me semble que c'est blanc 2, oui. Et je suis tombé sur 2 sur boule. Et donc là, troisième phase pour cas d'oiseau sur cette version diamant, donc première phase sur la version diamant quand même. Et je tombe sur un Meditica Shiny, donc c'est magnifique. Je suis très contente de le trouver. C'est un Shiny que j'adore. Que j'avais chassé il y a quelques années sur ma version platine. Voilà. Ça me fait plaisir de le revoir. Il est vraiment super, ce Pokémon, j'adore. Et je me réjouis à l'avance d'avoir un beau Charmina que je pourrais faire méga évoluer lors du prochain Broma Tournament. Non, là je suis en train de spéculer, je sais pas du tout. Allez, je vais tout de suite aller donc à Frimapic. Et après j'aurais plus qu'à redescendre sur la route pour faire la petite phase 2 sur la version diamant. On va aller découvrir la nature du Meditica. Ouais, je vais dire timide, mais je souhaite pas du tout qu'il le soit, parce que ça lui baisserait l'attaque, ce qui serait assez catastrophique. Alors, je vais me mettre comme ça, parce que au cas où j'arrive pas à déplacer le Meditica, j'ai pas envie de vous spoiler la nature. Il est là. Hop. J'aurais pas dû enlever Parasect en fait. Je vais enlever Léoco pour l'instant. Voilà. Là j'ai terminé mon Schmilbic. Et là on voit le Fampi Shiny. Ah, il y a le Liputi aussi. Ah non, ça c'est le Liputi. Ça c'est le Liputi normal. Là il y a le Milotic sur la face de. Ah. J'ai un trou de mémoire. Il y a le voilà, le Liputi Shiny hein, de l'année dernière. Le Milotic du mois de mars, trouvé pendant la BUF. Et le Fampi. Le Fampi du fin août. Voilà, j'ai pas vu la nature du Meditica, on va sortir, on va se diriger vers des herbes. Je vais le mettre en tête d'équipe aussi. Ah, il est trop cool. Son surnom il est trop cool, il est vraiment stylé, c'est cool. Alors, on va se diriger vers la route et puis on va dévoiler la nature un tout petit peu plus tard. Hop. Juste après. Attendez, je pose le stylet parce que ça pèse. Je sais plus où je dois aller, je crois que c'est là. Voilà, je suis complètement paumée. Hein. Bah non. Peut-être qu'il faut que je me barre vers la gauche. Non, pitié, je suis paumée. J'arrive plus à réfléchir. Où suis-je? Je suis perdue. Voilà. Allez. Hop, on va aller dans cette petite zone là. Et on va découvrir la nature du petit Meditica. On va se mettre sur, on va faire foutre le moiteur, hein, au cas où il y ait le Gravalanche. Waouh, il est trop beau. Il est magnifique. Alors, il est prudent. Ça lui baisse l'attaque SP et ça lui monte la défense SP. Je crois que c'est pas dégueulasse, en plus il est attentif au son. Il a une bonne défense P. Putain, augmente la puissance des attaques physiques. C'est vraiment cool. La nature ne me dérange pas trop du coup, parce que ça lui baisse l'attaque SP, donc ça augmente une défense. C'est plutôt pas mal. On va le faire briller.
Let's go. Oh là là. Je suis pas sûr qu'il ait même backspike que sur platine. Enfin, sans doute que si, mais j'avais oublié ça en tout cas. Il est superbe, il est magnifique. Oh là là. Il est trop cool. C'est déjà le 394e chez nous. Ça veut dire que bientôt le 400e, la recharge du 400e approche. Ce qui va être insane. Oh bah voilà. L'évolution de Meditica, Charmina. Magnifique. Il est magnifique. Il est trop beau ce Chenille. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore tellement parce que je l'avais laissé en Meditica. Hein, voilà. Voilà, je vais vous laisser sur les dernières petites étoiles là, de mon Meditica. Il est 23h39. On va finir sur un Diprozone. Je vais vous souhaiter à tous bonne chance dans vos recherches, bien sûr, et on se retrouve prochainement pour un nouveau Shiny. Voilà, que les étoiles soient avec vous. Salut!